Cette pub a été tournée pour être diffusée dans les aéroports américains. La star d'Alerte à Malibu, habilement déguisée en agent de sécurité d'un aéroport, contrôle les passagers pour savoir s'ils portent ou non de la fourrure autre que la leur. Il y a comme une étrange ambiance à Moscou. Regardez les regards que lance Medvedev à Fillon. Du petit doigt. Et puis ils sont très tatoués. Il suffit de regarder leurs mains, on sait que... Ça a explosé. Ça a explosé. C'est vrai, systématiquement. Pour vendre le F-18, les Américains. Non, mais est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pas impossible. C'est vrai ou pas, Hervé Morin? Écoutez, moi je le sais. Je ne sais pas, mais... On s'attendait à une grippe grave. Le mot porcine était très prometteur. On espérait une mutation du virus, une sorte de cousin de la grippe espagnole. Et au final, c'est une petite grippe de tafiole. Il avait écopé de 9 mois de prison pour avoir lancé ses chaussures contre l'ancien président Bush. Le journaliste irakien Muntazer El-Zaidi a été libéré tout à l'heure en Irak. On commence donc par la déclaration de Brice Hortefeux hier soir au dîner du Conseil français du culte musulman. Le ministère de l'Intérieur, enfin le ministre lui-même, a exprimé des regrets. Je regrette. Je m'adressais non pas aux musulmans, mais aux Auvergnats. Ah, apparemment, ils viennent de libérer Muntazer El-Zaidi, l'Irakien qui avait lancé ses chaussures sur George Bush. Mais un yes-man ne baisse jamais les bras. On peut réussir. Ce qu'il nous faut, c'est une nouvelle approche.